Allô? Aujourd'hui, on fait une sauce aux champignons. On cuisine les champignons séchés. Ici, j'ai notre beau mélange forestier avec une dizaine de sortes de champignons nobles. On fait en saison sécher des champignons parce que c'est pratique. Puis dans la famille des bolets, il y a plusieurs champignons que il y a des arômes qui se dégagent de nouveau. Même s'il y a juste un rendement de 5 à 10 %, ça vaut la peine pour les nouvelles arômes. Puis le côté pratique d'avoir des champignons séchés, que ça prend pas beaucoup de place. Idéalement, on les garde à l'abri de la lumière, mais ça, c'est parce que j'ai toujours un bocal que je me sers. Les autres sont sous vide, à l'abri de la lumière. Mais ça se garde longtemps et on utilise les champignons séchés quand on veut faire une sauce, un braisé, une soupe, quelque chose qui va mijoter longtemps. C'est plus pour le goût. Si on veut manger des champignons comme une poêlée de champignons, mais on va plutôt prendre des champignons frais de culture ou en saison ou nous, on fait une première cuisson avec certaines variétés qui ont une belle texture, puis on les stocke au congélateur sous vide. Vu qu'ils ont eu une première cuisson, ils ont perdu la moitié de leur eau, fait qu'ils se conservent quand même bien. La plupart des champignons, on ne peut pas juste les geler comme ça. Il y en a que oui, mais on perd vraiment au niveau de la texture, puis il y a trop d'eau. Fait que c'est ça. Il y a plusieurs façons de conserver des champignons comme ça, comme je l'ai dit. Congelé avec une première cuisson, séché, mariné, tout ça. Mais comment travailler le séché? C'est pas compliqué. On les hydrate avant de les ajouter dans notre recette tout le temps. Même si notre plat va mijoter, on sort vraiment plus d'arômes puis de nos champignons. T'sais, c'est beaucoup de travail, puis pas beaucoup de rendement, comme j'ai dit. Fait que ça vaut genre les champignons séchés. Fait qu'on veut sortir le maximum de goût. Et puis s'ils sont cuits assez longtemps, on peut les laisser dans la recette. Souvent, il y a des chefs qui vont les mijoter longtemps, puis ils vont les enlever, mais à moins que pour un bouillon, quelque chose. Fait que la première étape, c'est tout le temps d'avoir de l'eau chaude. Fait que là, je viens de faire bouillir de l'eau. Là, quelle quantité? Là, je vais faire une sauce. J'ai 1 litre de bouillon. En général, avec le séché, comme on a vu dans nos autres infusions, souvent, on va commencer autour de 1 %. Fait que si j'ai 1 litre, 1 %, ce serait 25 grammes. Qui est comme nos sachets ici. Fait que ça ferait comme une bonne sauce, c'est sûr. Surtout avec un peu de réduction. Si on faisait une soupe ou un risotto, on en mettrait moins. Tu sais, comme peut-être une sauce, ça va peut-être être comme plus 2, 3. Une soupe, un risotto, tu sais, pour 25 grammes, 2,5 litres, ça serait 1 %. Fait. Ça, pour un risotto, c'est comme quelque chose que tu prends plusieurs bouchées, on veut que ce soit moins intense. Aussi, il faut calculer, y a-tu du gras dans la recette, tout ça, comme j'avais expliqué dans les autres infusions. Parce que là, il va avoir, le goût va sortir plus. Fait que la quantité. Ici, c'est juste une question de bien utiliser les champignons. C'est pas parce que c'est dangereux ou quelque chose comme ça. Fait qu'une sauce, on veut que ça soit quand même puissant. Fait que si je prends 25 grammes pour faire 1 litre, ça va être 2,5. Ça va faire une sauce goûteuse. Surtout si je rajoute des champignons après que j'aime faire aussi jouer en parallèle le séché, le frais ou puis avec première cuisson. Fait qu'on prend notre quantité de champignons, 25 grammes, ou qu'on a décidé. On
verse l'eau chaude par-dessus. Idéalement, j'aurais pris. Juste parce que je veux que vous voyez. Moi, je fais bouillir de l'eau, j'enlève du feu. Juste pour couvrir. Là, on fait une sauce. Fait on va utiliser le jus. Fait qu'on peut en mettre un petit peu plus. Mais sinon, c'est juste assez pour les hydrater. On laisse tremper 20 minutes au moins. Ça peut être plus. Même la veille. Puis après ça, ils sont hydratés. Là, on commence notre sauce. Là, on va les faire infuser dans le bouillon. Mais on va faire une petite sauce classique. Là, c'est comme j'ai du fond de serre. Ça, c'est notre fond. Ici, on utilise le fond de canard, fond de serre. Ça pourrait être, pour une version végétarienne, ça pourrait être miso ou juste aux champignons. Mais on mettrait peut-être plus de champignons. Mais là, je veux faire comme une sauce assez classique. Tu sais, comme une sauce aux champignons, un peu comme pour un steak ou quelque chose comme ça. Alors, je commence avec oignon ou mirepoix. On les fait caraméliser. Ici, j'ai un mirepoix, c'est oignon, céleri, carotte. En général, deux fois la quantité d'oignon pour céleri et carotte. Mais comme je dis, ça pourrait être juste oignon. Mais ça, c'est la base de beaucoup de cuisine, de sauces et de recettes. Le mirepoix classique. Et des fois, on a vu dans d'autres recettes, on va commencer par suer. Ça, c'est sans coloration. Comme pour une sauce blanche ou pour réchauffer des légumes verts dans le beurre monté ou tomber des épinards, quelque chose comme ça. Là, on veut caraméliser parce qu'on veut donner un peu de couleur puis de sucre naturel à notre sauce aux champignons. Fait qu'on commence par caraméliser. Quand on voit que c'est doré, ça peut prendre du temps, juste dans un peu d'huile ou de beurre. J'aime mieux finir avec le beurre à la fin parce que ça peut brûler, mais juste une caramélisation lente. Après, on va déglacer avec un bon vinaigre de vin ou, ici j'ai juste un petit peu de vin rouge. Avec un fond de volaille ou quelque chose, ça pourrait être, si on faisait, ça pourrait être un vin blanc aussi. Fait que juste assez pour, là ça dépend de la quantité, c'est parce que je vais mettre, j'ai mis à peu près une demi-quart de tasse, une demi-tasse. Là, on va réduire ça à sec. Rajouter, bien, quasiment à sec par 3-4. Puis, je vais mettre mon litre de bouillon. Une fois que c'est à sec, je vais faire réduire avec les champignons que j'ai hydratés. Moi, je mettrais le jus avec, mais ça, c'est une étape qui n'est pas nécessaire avec nos champignons, vu que c'est propre, mais avec les champignons, en général, une fois qu'ils ont trempé leur 20 minutes, la façon, on les enlève par en haut, puis après, on décante le jus. Juste au cas, s'il y avait eu des un peu de sable ou dans les champignons séchés, ben ça va aller dans le fond. Mais moi, je sais que nos champignons sont propres, mais c'est peut-être une bonne étape de faire ça. Puis après ça, on va décanter le liquide en laissant là, mon vin a réduit, puis il est allé chercher tous les petits sucres dans le fond aussi. Donc là, je peux mettre mon bouillon. Mes champignons hydratés. Puis, comme avec toutes les infusions, qu'il n'y a pas de choses amères ou touchy ou fragiles, délicats, l'idéal, c'est d'aller le plus longtemps, plus doucement, en les extraire. On veut que ça mijote
Aller chercher tout le goût dans le champignon. Fait qu'on va laisser ça. Si on est. On peut monter le feu aussi si on est plus pressé, mais. Souvent, c'est une bonne idée de prendre son temps. Alors là, on va juste le laisser mijoter doucement, 20 minutes, une demi-heure. Et après ça, on met nos assaisonnements, on goûte, on met des petites touches de finition. Des fois, c'est. Parce que, tu sais, c'est déguiser le goût salé, sucré, umami. Umami comme le corps, ça, c'est assez de réduction. Des fois, ça va juste prendre une petite touche de tamari ou quelque chose, peut-être une touche de vinaigre, de vin ou de sirop d'érable. Ou... Mais logiquement, avec le bon bouillon, la caramélisation qui va donner les sucres naturels, puis le umami du champignon aussi, puis sel, poivre, on peut mettre des herbes aussi. Thym romarin ou des herbes sauvages. Puis, une fois qu'on a le goût puis la consistance qu'on veut, on a le choix d'épaissir avec un peu de fécule de maïs mélangé avec de l'eau ou un roux classique, beurre et farine. Nous, on va... Et, ou on peut juste le laisser réduire, le laisser plutôt liquide. Finir au beurre, ça donne un beau lustré à la fin. Ça, c'est les options. Sauce aux champignons avec champignons hydratés. Puis à la fin, je pourrais toujours ajouter des vrais morceaux de champignons aussi.